Ça fait du bien d'arriver. Je savais pas du tout si j'allais trouver un terrain plat. Ici, c'est la première fois que je viens. Je connais un peu la région parce que j'ai déjà exploré un peu. Mais ce coin-là, précisément, je savais pas que j'allais le trouver. C'est suffisamment plat. Une fois que j'aurai déblayé quelques débris de bois. Et ça devrait être pas mal pour installer le tipi. Ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc ce sera le mât central du tipi. Plutôt que de faire une structure en trépied, je vais utiliser simplement un mât central. Et le bois que j'ai coupé à côté, je vais le brûler dans le poêle à bois. Et ça fera un joli porte-manteau, ou celui-là, porte-manteau, et celui-là porte-popote. Ouais, nickel, nickel. Ici, je peux accrocher aussi un truc, enfin bref,
Je pense qu'on a un bon mât central.
entretien des outils, ça peut pas faire de mal et ça prend pas longtemps. Donc à faire régulièrement. Alors, il y a du mieux, il y a du mieux. C'est pas optimal, mais il y a du mieux. Un feu de bois hors sol, surélevé et transportable dans la limite du raisonnable, évidemment. Petite écorce de bouleau trouvée juste à côté là. Il devait y avoir un bouleau avant, mais plus de traces du bois. De toute façon, vu dans quel état est l'écorce, je crois que le bois est bien. Il est loin maintenant. Il est très loin. Il est dans l'humus.
Bon, je pensais pas qu'elle prendrait la petite écorce là. C'est pas parce que c'est de l'écorce de bouleau que ça prend forcément le feu. À des moments, l'écorce est complètement moisie aussi, ça lui arrive, elle a le droit de moisir, elle a le droit de mourir comme tout le monde. Et dans ce cas-là, on peut plus rien en tirer. Ouais, donc ça, le bois est vert, il avait l'air sec quand je l'ai cassé, il a bien craqué d'un coup. Soit il est humide et vu la fumée, je crois qu'il est bien humide.
Bah après ce bon petit repas, j'ai bien envie de jouer de la kalimba. Petite chartreuse verte pour la digestion. Santé les amis. Si j'allais me coucher. Qu'est-ce que j'aime jouer de la kalimba, ça m'apaise. Ça fait du bien. Je sais pas ce qui se passe, mais ça fait plusieurs heures que ça dure. Je sais pas. Deux chiens qui s'amusent, deux chiens errants qui s'amusent. Un chien errant qui agresse un cervidé. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, c'est pas terrible pour dormir. Donc là, je me fais une petite infusion de camomille et puis après, je me recouche.
Bien, je viens de boire un petit café au ginseng, là j'adore ce café, et je me fais chauffer 2 œufs que je vais manger dur. Et vraiment bien, retour sur le Tipeee X Hot Tent de chez Pomoli, le une personne, une à deux personnes, je pense qu'on doit pouvoir dormir à deux personnes dessous. Et c'est vraiment un bon élément ce poêle à bois, je pense qu'il va pas me quitter pendant longtemps. Il va m'accompagner dans mes aventures pendant longtemps. C'est pas excessivement lourd, ça pèse 2 kg. C'est juste 2 fois plus lourd qu'une bushbox XL en inox. Sachant que ça réchauffe quand même super bien le volume du Tipeee. Ça empêche la condensation aussi, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, par contre c'est gourmand en bois. J'avais mis une bûche comme ça quand je me suis réveillé pendant la nuit, il devait être 2h30-3h, et en me levant à 5h30 elle était déjà en cendre. Donc évidemment c'est comme tous les poêles à bois, c'est comme les cheminées, on peut jouer sur le tirage. Et je pense que ça me demande encore un peu d'entraînement à ce niveau là. On peut jouer sur le tirage de deux façons ici. Donc là, un bon tirage pour lancer le feu, c'est bien utile. Ensuite, quand le feu est déjà parti, je ferme, mais pas toujours complètement. Je laisse un tout petit filet d'air rentrer. Et après, quand je me couche, je ferme. Comme ça, je suis sûr, même si c'est jamais le cas, je suis sûr qu'il n'y a pas de fumée qui sort pendant la nuit. Parce que si je respire de la fumée pendant la nuit, pendant mon sommeil, il y a de grandes chances que ce soit ma plus longue nuit de ma vie. Et ma dernière. Ensuite, deuxième point où je peux agir sur le tirage, c'est derrière. On a la manette d'évacuation des fumées. C'est une manette qu'on peut tourner à 90 degrés. Bien. Où est-ce qu'ils en sont, ces œufs? Bon, j'ai pas chronométré, mais on va dire que ça fait dans les 10 minutes, 10-15 minutes. Donc on va voir ça. Autant si ça se trouve, ils vont être mollets. Je sais pas, moi j'aime pas les œufs mollets, j'aime les œufs durs quand ils sont durs. J'aime les œufs durs, durs. Donc ça va être la surprise. Ça m'a l'air d'être plutôt une bonne surprise jusqu'à présent. Donc ça va être la surprise. Bon, a priori ça m'a l'air pas mal.